fait de pas être totalement prêt pour l'instant. Ça peut être ça. Certainement le manque d'intensité, que ce soit sur le premier carton ou le dernier. Maintenant, c'est plus soit un manque de vécu aussi. Pas de volonté, mais voilà. Il y a eu, on peut dire même inconsciemment, voilà, c'était le premier match, on voulait faire bien, trop bien, et on s'est planté. On a vu que la première mi-temps, mais déjà sur le premier carton, c'est... On prend 25, c'est une catastrophe. La première action, on n'applique pas ce qu'on devait faire. Donc ouais, c'était, on était ailleurs, ce qui n'est pas normal, mais... Ouais, de la première à la dernière action, on a eu beaucoup, beaucoup trop d'irrégularités, quoi. Donc on était trop inconstants. Par nous-mêmes, parce que les coachs nous donnent des outils, maintenant il faut bien les utiliser. Si on ne les sort même pas, qu'on ne les utilise pas, c'est compliqué. Donc c'est ce qu'on n'a pas su faire à Paris, c'est utiliser ce que nous avait donné le staff. Donc maintenant, ça doit servir à chacun de... Voilà, pour pouvoir se remettre en question et faire les choses correctement. Donc on attend Cholet avec impatience, mais c'est passé. Maintenant, il faut voir match par match. Moi, ça se passe très bien. J'ai énormément de points à faire évoluer, à progresser. Donc lui et François, parce que François prend beaucoup aussi d'entraînement, donc il est très exigeant. Sont très très exigeants. Et donc ça permet surtout d'être concentré sur moi-même déjà et ensuite sur l'équipe. Donc c'est surtout voilà, évoluer mentalement, dans la tête, voilà, comment approcher telle situation. Chose que j'ai pas trop pour l'instant depuis le début de ma carrière, ou que j'ai eu mais que j'ai pas su utiliser parce que j'étais trop jeune. Donc là c'est le bon moment. Et voilà, je suis tout oui, comme on dit. Bon, la proie cette année va pas être facile, hein. De toute façon ça reste compliqué. Maintenant c'est vrai que derrière on va au Mans, en Soiran, il me semble. C'est du costaud, il y a Chalon plus Lasvel ou je sais plus dans quel ordre. Ouais, ça va être assez compliqué. Maintenant tous les matchs sont à prendre. On a vu que bon, Lasvel a été gagné à Chalon, que surtout en début de saison comme ça, il n'y a pas une équipe qui peut prétendre être prête. Donc c'est par la dureté, par l'application des consignes qu'on va y arriver. Mais on attend voilà, Cholet avec impatience. Un pour se racheter, deux pour se lancer vraiment dans cette saison. Oui, j'ai vu Séville, Belgrade. Sassari, une équipe d'Italie. Ben ouais, Sassari je connais pas, il y a deux grosses équipes, l'Étoile Rouge et Séville, tant mieux. Ça va permettre aussi nous. C'est très bien de jouer. Nous on veut jouer. À l'entraînement, on aime faire du jeu, des choses comme ça. Le fait d'avoir un match le mardi en plus à ce niveau-là, c'est très intéressant pour nous collectivement et nous aussi individuellement pour chacun. Donc bon, on verra, ça va être assez difficile, mais comme on s'y attendait de toute façon. Bah moi, j'en en discutais hier avec le président Gilles Villain. J'ai dit que ce serait bien qu'on aille en Espagne et en Italie. Donc, je trouve que Gilles a bien fait les choses. Je ne connais pas alors qu'il est les équipes, les effectifs, je ne les connais pas du tout. Séville, j'ai juste vu à l'instant que Séville avait démarré difficilement son championnat, au contraire de Sassari qui est déjà 2-0 invaincu en championnat d'Italie. Les équipes, je les connais pas. Puis l'Étoile Rouge, c'est l'Étoile Rouge. C'est le deuxième club de Belgrade, une école de formation dans un contexte qu'on connaît, le pionnier de Belgrade. Donc voilà, bon, maintenant, on l'avait dit, hein, l'Eurocoupe cette année, enfin, comme les années précédentes, mais peut-être encore plus cette année, il y a quand même de grosses équipes. Voilà, c'est pas. Il n'y a pas comme ça, il n'y a pas un épouvantail dans la poule comme il peut y en avoir dans d'autres poules. Donc tout est possible.